L'Hermès. Il faut que j'atteigne le lieu du crash. Je ferai mieux d'examiner la dépouille, enfin, ce qui reste de Richard. Au cas où je trouverai quelque chose d'important. En son temps, cet endroit était magnifique. Hola, ma belle. Donc, toutes les créatures ne sont pas hostiles par ici. Je me demande si celles qui le sont ont été pacifiques autrefois. Qu'est-ce qui a pu les faire changer ? Encore de l'équipement de l'Hermès. Je dois approcher du lieu du crash. Mike.
Je vous retrouverai, les amis.
Journal de bord. Tué récemment. Marque de morsure d'une profondeur d'environ 15 cm. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Il y a des bêtes redoutables qui rôdent dans ces grottes. Journal de bord. Mandibule surdéveloppée, dents aussi affilées que des rasoirs. Ses membres très puissants lui permettent de rattraper rapidement sa proie. C'était un massacre. Des traces de morsures. Ils ont été déchiquetés. Ils ont dû être tués par ces créatures qui rôdent. C'était un de tes proches, n'est-ce pas ? Cette technologie holographique est incroyable. Je crois que je pourrais faire quelque chose d'utile avec. Une sorte de diversion.
Le lieu du crash ne doit pas être loin. J'espère que Tam et Mike sont vivants. Le propulseur est complètement grillé. Richard a dû utiliser la puissance maximale pour éviter le crash.
L'Hermès. La coque est encore intacte. Tam, Mike, faites qu'il soit en vie. Encore cet organisme, comme avec Robinson. D'où est-ce qu'il vient ? Impossible de l'ouvrir sans une carte d'accès. Une source d'énergie improvisée. On dirait l'œuvre de Tam. Journal de bord. Quelque chose ne tourne pas rond chez Mike. Je l'ai placé dans le biolit. Je l'ai examiné, mais... Sa peau est en train de changer. Le commandant Robinson n'est toujours pas revenu. Sur quoi est-ce qu'ils sont tombés dehors ? Qu'est-il passé ? Où est le commandant Robinson ? Non, non, non. Mike ! Je vais t'amener au labo. Tiens bon, ça va aller. À quoi sert le métahédron ? Pourquoi nous a-t-il amenés ici ? De nos vestes. Je vais la prendre.
remise des diplômes. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Si ça peut découper des cloisons en plastacier, ça peut découper n'importe quoi. L'ordinateur de Tamara. Journal médical. L'état de Mike s'est considérablement aggravé. Les tumeurs sur son corps s'étendent maintenant à une vitesse exponentielle et se répandent dans tout le labo. Il n'y a plus rien à faire pour le soigner. J'ai réussi à isoler un nanorobot. Sa structure est bien trop complexe. Mais j'ai découvert qu'il reçoit en continu un signal binaire. Ça ressemble à des instructions. Mon hypothèse, c'est que ces nanorobots sont contrôlés depuis une installation centrale. Si je parviens à la trouver, je pourrai peut-être inverser le processus. Tam a enregistré les coordonnées dans l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? L'échantillon de sang semble contaminé par des nanorobots. Il modifie sa structure cellulaire. Cela veut-il dire que les mutations ont été induites artificiellement ? Ça doit être ce qui est arrivé à Richard. Oh, Mike. Qu'est-ce que cet endroit vous a fait ? Journal médical. Le corps du patient est recouvert d'une excroissance cancéreuse anormale. Température, 39,8 degrés Celsius. Tension très anormale, 19-12. Fréquence cardiaque à 136. Pupille extrêmement dilatée. Injection de 120 cm3 de synthétiseur de protéines dans l'espoir de faire baisser la température et normaliser la tension. Diagnostic en cours. Les vaisseaux sanguins sont remplis de corps étrangers faits d'un alliage inconnu. Il a une blessure en haut du torse, de forme triangulaire. On dirait qu'elle a été faite par un projectile solide en forme d'épine. Tamara a prélevé des échantillons de sang pour analyse. Tam a découvert en analysant le sang de Mike qu'il était contaminé par des nanorobots inconnus. Les nanorobots semblent altérer le corps de Mike, ce qui signifie que son état a une cause artificielle. Tamara a réussi à isoler un nanorobot et a découvert un signal qui semble le contrôler à distance. Elle est partie à sa recherche dans l'espoir d'inverser le processus. Il faut que je suive ses coordonnées. C'est le seul moyen d'aider Tam et Mike.